Une des originalités de la France, c'est qu'il y a des prestataires de soins à domicile dans le cadre de l'apprentissage de sa maladie et de l'utilisation de son appareillage. Et les patients ont pour consigne d'essayer différents masques. Les études sur la qualité de vie sont sans ambiguïté. C'est-à-dire la qualité de vie des patients est améliorée de manière absolument drastique. Et aujourd'hui, on a des compresseurs qui, encore une fois, ont une taille qui est très raisonnable, qui sont très mobiles, qu'on déplace avec soi. Et puis, on a des masques de plus en plus design, ce qui est l'élément, je dirais, parfois un peu repoussant pour les patients et leur entourage. C'est l'aspect modification de son image corporelle. Mais que d'un autre côté, je deviens quelqu'un de plus disponible, je retrouve du plaisir à sortir, je ne suis pas irritable avec les enfants ou avec mon conjoint ou ma conjointe. Il y a un réel bénéfice en termes de qualité de vie, en termes d'efficacité. C'est un effet on-off, hein, c'est vraiment, on souffre de l'air sous pression, on n'a plus d'apnée ou d'hypopnée. Donc la première nuit, vous avez une efficacité. Ensuite, la somnolence, en 15 jours, 3 semaines, elle va quasiment disparaître. Il y a quelques patients qui gardent une somnolence résiduelle, mais ils sont exceptionnels. L'amélioration de la somnolence à quelques mois, la différence est spectaculaire.